Bonjour à toutes et tous, nous sommes à la fin du mois de mai dans les Alpes de Haute-Provence à 900 mètres d'altitude. Enfin, Blondy, bref, dans un potager sans travail du sol et sans apport phytosanitaire d'aucune sorte ni insecticide, mais un peu de crottin de cheval et de fumée de poule, vieux si possible. C'est juste l'intro que je fais d'une très très courte vidéo. Mais c'est ça, c'est la vie quotidienne du potager. Vous arrivez et boum, vous avez un grand trou. Et ben voilà, ça s'est passé là, hein, tout simplement. À cet endroit-là, et vous allez voir ce que c'était il y a quelques semaines après le passage de je ne sais quoi. Allez, à la prochaine. Oui, fais tes besoins. Ça me mettra de l'azote. De temps en temps, à quoi ça sert les tubes? Quand on n'est pas tout seul dans un potager, qu'il y a des locataires. Ma foi. Ce chou de Bruxelles est toujours vivant. Il n'aurait peut-être pas été sans ça. Bref, le chat a mis le nez là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose, mais bref. On va faire avec, hein.